Hope you're well. So today I'd like to start our fourth unit. It's about crimes and detective stories. So first I'll tell you about your final project. So at the end of the unit, you'll have to create a dialogue. So your final project will be, the title is Dial M for Murder. So Dial M for Murder is the name of a very famous movie which was directed by Alfred Hitchcock, an American movie director. So it's just a cultural reference. So the project, a crime was committed. You are a detective, a witness, or a friend of the victim. Create a story and lead the investigation to find who the murderer is. And you'll have to create a dialogue in groups of three. So three pupils for one group. One person will be the detective, another one a witness. So a witness is someone who has seen something or heard something. And then a friend of the victim. Okay, so this is about the final project. So to start this unit and to help you be ready to do your dialogue, we'll start this activity today. I'd like to know what you were doing this morning at 8:30. Okay? So for example, this morning at 8:30, I was walking my son to school. So I was walking my son to school. What about you? What were you doing this morning at 8:30 or 8:30? Were you brushing your teeth? Were you having a shower? Were you sleeping? Were you having breakfast? And of course, you were not walking to school, except if your parents are nurses or working in a hospital or something like this. So, I'm waiting for your answers. So, please open your copybooks and write down what you were doing this morning at 8:30. Okay? Now, I will switch back to French. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va lancer la quatrième séquence, toujours en distanciel, puisque on ne peut pas encore se retrouver. On se verra, il me semble, la semaine prochaine. Pour lancer la séquence, je vous ai parlé de la tâche finale que vous serez amené à effectuer d'ici quelques temps. Donc le titre c'est Dial M for Murder, qui est le titre d'un célèbre film qui a été réalisé par Alfred Hitchcock, un réalisateur américain. Donc le titre de votre projet c'est Un crime a été commis, a crime was committed. Vous êtes un détective, a witness. Qu'est-ce que c'est qu'un witness? So someone who's heard or seen something. Donc c'est un témoin. Ou vous êtes un ami de la victime. Vous devez créer une histoire et un dialogue et mener l'enquête pour savoir qui est le meurtrier. D'accord? Et les dialogues sont réalisés par groupe de trois. Ça, on s'en occupera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour la tâche finale qui est annoncée. Et pour commencer à préparer tout le vocabulaire, les structures, etc., etc., on s'aide de cette fiche. What were you doing this morning at 8:30 or 8:30? Que faisiez-vous ce matin à 8h30. Dans mon exemple, I was walking my son to school. J'emmenais mon fils à l'école en marchant. Donc je marchais, j'ai accompagné mon enfant, mon fils, à l'école. Et vous, que faisiez-vous ce matin à 8h30? Est-ce que vous brossiez les dents? Vous étiez sous la douche? Vous dormiez? Vous aviez votre petit déjeuner? Ou est-ce que vous étiez en route pour l'école? A priori, très peu d'entre vous vont à l'école en ce moment. Donc, à vous de me donner des informations sur ce que vous faisiez ce matin à 8h30. Ok? Attention au temps que vous utilisez. I was walking to school. C'est le pretérit en B plus ING. D'accord? Pour dire j'étais en train de faire ceci, cela. Et ça, en fait, c'est une structure dont vous aurez besoin lorsque vous devrez faire votre enquête. Lorsque le détective vous posera la question, que faisiez-vous à telle heure lorsque le crime a été commis? Et à l'inverse, si jamais vous êtes témoin ou ami de la victime, vous devrez répondre en disant, je faisais ceci, je faisais cela. Donc c'est une structure qui est très importante pour réaliser la tâche finale.
Voilà, j'espère que tout est clair. Je vous joins une petite trace écrite qui est assez courte et je vous laisse faire le travail que vous allez faire dans votre cahier partie exercice. Pensez à photographier votre travail et ensuite le mettre sur Pronote comme vous en avez pris l'habitude. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.